Allez, on va faire Marilyn. Là, je vais prendre du 1. On va prendre du 1 pour faire les yeux, le nez. Commencer un peu la bouche. Du 1 c'est peut-être un peu petit quand même. Du 3 ce serait mieux. Ouais. 3 RL. Voilà, le visage est vraiment petit. Hein. Il fait 3 cm quoi.
Allez, on va prendre du CTRS. Thank you.
prendre du 1 pour faire le contour des yeux. J'ai voulu faire ma réline en fait, parce que du coup, j'ai regardé un film sur elle l'autre fois, sur sa vie. Donc... ça n'a pas été une femme super heureuse. Hein. Et bon, on a beau être une star, sous les projecteurs, tout, bien gagner sa vie. Enfin, surtout à son époque en plus, dans les années 50. Elle était vraiment considérée comme un objet. Ouais, la complexité là, c'est tellement fin que... Là, j'ai laissé le stencil sécher à peu près 3 heures. Ça m'évite qu'il s'efface. Bon, sur peau humaine, en fait, j'aurais commencé par le bas. Pour pas effacer justement le bas, quoi. Ou alors il faut protéger avec un essuie-tout là, et commencer par le visage. Surtout quand vous faites du réalisme minimalisme comme ça. Là, c'est pour ça qu'on filme en noir et blanc, parce que vu que la peau rougit, le visage il est beaucoup marqué, alors ça fait pas joli quoi. Donc c'est pour ça qu'on filme en noir et blanc. Le rendu est
quand même beaucoup plus joli. Après, une fois que c'est cicatrisé, c'est beau, hein, mais au début, c'est un peu rouge, quoi. Avec le sang, tout. Donc, au pire, si on commence par le visage, bon, bah, le temps du procédé du tatouage, il a le temps de dérougir un peu, quoi. Je suis toujours à l'aiguille de 1. Je vais retravailler un peu après la peau sur le visage même. Je m'occupe des cheveux pour l'instant. Faut bien se rappeler que sur peau humaine, l'aiguille de 1, ça pénètre énormément dans la peau. C'est tellement fin que... Donc là, il faut y aller vraiment à tâtons, quoi. Alors, après, je pense que sur peau humaine, j'aurais pris une aiguille de 3. Mais là, sur peau synthétique, je peux descendre un peu plus bas. Faire les cheveux blonds, c'est pas facile à représenter. En plus, avec sa coupe des années 50, là, 60, il y a des ondulations partout. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre
19 en magnum à faire un ombrage tout autour pour faire ressortir sa chevelure blonde. On va prendre du RM7, travailler sur le visage. Hein. Si je mets pas d'encre, ça marche pas. C'est qu'il y ait de l'eau. On veut même partir sur du plus clair, quitte à refoncer un peu après, mais l'inverse on peut plus après. Savoir aussi qu'en tatouage après quand vous faites des pièces comme ça, ça éclaircit énormément la cicatrisation.
éviter de faire trop clair non plus, parce que sinon après le tatouage j'aurais pu du tout le voir, étant donné que ça s'éclaircit quand même pas mal. Comme je vous disais, vous pouvez travailler avec la tranche aussi, c'est tellement fin que ça passe. Et quand je fais ça sur de la peau humaine, direct ça va saigner en fait. Donc tout ça, bah, ça va être tout rouge en fait. Toute cette zone-là va être déjà rouge. Donc c'est bien quand on fait un portrait minimaliste, comme ça c'est bien de commencer par le visage. Sauf qu'il faut cacher tout le reste pour pouvoir les passer, quoi. Je suis reparti sur du 5, du 3. Il aura mieux intensifier un peu plus son regard. Thank you.
Je vous conseille, moi, quand vous tatouez, me dessuyer comme ça, là, tamponner avant. Hein. Ça va éviter d'effacer le stencil, surtout. Allez, on va reprendre du 7 là, RS. Thank you.
En fait, dans ce tatouage-là, le plus chiant, c'est à faire tous les plis du pull, quoi. On va reprendre du 19 là. La surface c'est quand même assez grande. Là. On va moins galérer surtout.
Thank you.
Ouais, c'est vraiment petit, hein.